Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais juste une petite vidéo pour vous informer en fait d'une information qui est sortie aujourd'hui. Il paraîtrait que le Animal Pack d'Universal Nutrition et le Grenade Détonator ont été interdits aujourd'hui en France par la DGCCRF. Donc c'est une information qui vient de sortir aujourd'hui. Donc juste pour vous expliquer simplement qu'est-ce que la DGCCRF. Donc c'est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Donc en gros, ce DGCCRF, il s'occupe de la régulation concurrentielle des marchés, de la protection économique des consommateurs et donc de la sécurité des consommateurs. Donc pourquoi le thermodétonateur de grenade a été interdit? Déjà, juste pour situer ceux qui connaissent pas, donc le thermodétonateur, qu'est-ce que c'est? C'est une formule thermogène qui déstocke et carbonise les graisses. Donc en gros, ça accélère le métabolisme, ça réduit l'appétit à cause de la caféine, il ne sollicite pas la fatigue, et voilà, c'est un stimulant pré-entraînement, apparemment qui est vraiment très efficace. J'ai jamais testé personnellement, mais il est ceux qui l'ont testé, bon voilà, j'ai eu des très bons échos de ce produit-là. Donc pour une gélule de thermodétonateur, donc en gros une cape dans la boîte, il y en a 100. Donc il y a thé vert 250 mg, orange amer, citrus oratium 210 mg, caféine 112,5 mg, cayenne 100 mg, phénylalanine 12,5 mg. La phénylalanine, c'est un acide aminé qui permet de récupérer, qui aide à la récupération facilement, à la prise de force, et elle augmente apparemment les performances et puissance musculaire. Et ensuite il y a du café vert à 5 mg. Donc apparemment ce produit était interdit parce qu'il était surdosé en caféine. Donc voilà, donc c'est la simple et seule raison pour laquelle il était interdit. Donc soit Grenade va mettre en place une alternative à ce produit-là sous-dosé en caféine, soit ils vont rien faire du tout. Donc s'ils font un nouveau produit, ça va être le même cas que le Jack 3D avec la old formula et la nouvelle formula, qui est la nouvelle formule qui est vraiment sous-dosée et bien sûr moins efficace, mais bon, apparemment moins dangereuse. Maintenant Animal Pack. Donc j'ai testé Animal Pack il y a un moment, au début de que j'ai commencé la muscu. C'était il y a 4 ans, donc c'est les gélules avec le paquet, je vais vous mettre une photo juste là. Donc voilà, donc les points forts d'Animal Pack, d'Universal Nutrition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une augmentation de la masse, c'est une formule complète avec plus d'à peu près, je crois qu'il y a 55 ingrédients à l'intérieur. Et en gros, ça sert à compléter les carences, ceux qui ont des carences alimentaires, c'est vraiment un supplément vraiment multivitaminé. Pour l'avoir testé, j'aurais tendance à dire que c'est un peu, voilà, c'est toujours le même concept un peu du côté marketing. Pour moi, c'est vraiment un produit marketing, c'est-à-dire que voilà, c'est pas un produit qu'on a vraiment besoin quand on est débutant. On peut largement s'en passer. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur les 5 compléments alimentaires à prendre quand on est débutant. Il y a la base et voilà, les complexes multivitaminés, bon, c'est pas primordial. Il paraîtrait que ce produit, en fait, l'Animal Pack, était surdosé en vitamines, c'est pourquoi il était interdit à la vente aujourd'hui en France, tout simplement. Donc en conclusion, suite à l'interdiction de ces 2 compléments alimentaires, soit les marques vont, pour contrer ou pour s'adapter au marché français ou à la réglementation française, sortir un nouveau produit qui sera sous-dosé. Soit ils ne vont rien faire du tout et ces produits ne seront pas mis à la vente. Après, comme Animal Pack et le Grenade sont vraiment des produits vraiment qui marchent très très bien dans le commerce, je pense sincèrement, ça reste mon avis, mais que les marques vont vraiment créer un produit sous-dosé pour répondre au marché français. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même histoire qui est sortie avec le Jack 3D, et il me semble aussi qu'il y avait eu la même histoire avec le Craze. Et l'histoire avec Rob Rich, qui a été contrôlé positif à un test antidopage avant une compète. C'était l'année dernière, ça avait fait un gros débat. Donc pareil, apparemment le Craze possédait des ingrédients surdosés. Et du coup, ce Craze a été supprimé et était introuvable en Europe. Donc voilà, donc en attendant, avant que ce produit soit vraiment complètement supprimé, je vous invite vraiment à aller tester, à me donner votre avis dans les commentaires, ceux qui l'ont déjà testé. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager,
aimer ma page Facebook, vous aurez tout dans les commentaires. Et voilà, je vous invite à vous abonner. Je vais faire une nouvelle vidéo des conseils sur la prise de masse dans les jours qui viennent. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup et on se voit très vite. Ciao! Boum!